Mahler is, we all know him as a phenomenal symphony composer. Transmettre Mahler, c'est enfin, que, continuer à ce que l'œuvre de Mahler soit vivante et soit que des jeunes chanteurs, notamment, que des jeunes artistes s'emparent de l'œuvre de Mahler, c'est une nécessité. Que ces jeunes chanteurs puissent profiter de l'expérience, des connaissances de très grands interprètes mahlériens, c'est un projet que la Fondation Royaumont mène. Cette transmission, elle peut avoir lieu par l'accès à des sources, justement, des accès documentaires, mais il faut que ces accès documentaires soient aussi incarnés. La seule lecture de ces partitions, le seul appui des musicologues, ne peut pas totalement suffire pour des jeunes interprètes qui ont besoin effectivement de l'expérience de leurs aînés. Et de ce point de vue-là, l'expérience, je dirais, monumentale de Thomas Sampson en matière d'interprétation des œuvres avec piano, des œuvres avec orchestre, des œuvres chantées de Gustav Mahler est absolument irremplaçable. And I'm not giving back anything, but I am glad to pass it on. I see teaching as a, personally, I hope I am as patient and understanding and helpful as so many people have been to me in my life. You're not born with experience, you gather this experience. And it is a privilege and true pleasure. It fulfills me deeply to pass on all of the things that I've been so grateful to understand and been given. And yes, sometimes it is very serious, because if my younger colleagues make the wrong decisions, it could have a very negative impact on their careers, on their singing, on their persons. And so I hope I can be of some assistance. La première chose à retenir quand on parle de Mahler interprète, c'est qu'il avait pour coutume de dire « je dirige pour vivre et je vis pour composer ». Donc on voit que déjà dans son esprit, il y a absolument deux paliers différents. Mahler en fait rêvait de devenir compositeur depuis très jeune. Il est tellement brillant, tellement perfectionniste et tellement impliqué dans ce qu'il fait que toute sa vie ne cessera en fait, de progressivement monter en renommée, monter en perspicacité, en efficacité, et il gagnera des postes de plus en plus importants. Il passera ensuite en Prusse, il va devenir directeur à Budapest, et progressivement, il va atteindre le rêve de sa vie, à savoir revenir à Vienne, et il va rester 10 ans comme directeur artistique et musical, donc chef d'orchestre, du prestigieux opéra de la cour de Vienne. Ce qu'on peut retenir, je pense, de Mahler interprète, c'est qu'il n'aura cessé de déchaîner les passions. On peut aborder l'œuvre de Mahler, je dirais, aussi bien en étant musicien ou mélomane pointu, comme sans connaître particulièrement la musique. C'est quelqu'un qui arrive à employer des thèmes que l'on va retenir. C'est quelqu'un qui parle aussi la somptuosité de son orchestration, son art d'orchestrateur, qui sait utiliser les timbres des instruments, qui sait c'est assez magique. C'est vraiment des moments magiques que d'assister à une symphonie de Mahler, parce que c'est vraiment le foisonnement orchestral. C'est quelqu'un qui sait très bien allier les timbres, donc on est assez subjugué quand on assiste à une symphonie de Mahler. Donc on n'est pas obligé de connaître la musique, d'être un musicien professionnel pour aborder et être touché par son œuvre. C'est une œuvre très accessible, je crois. Sa plus grande qualité, que ce soit en tant que compositeur ou qu'interprète, c'était l'honnêteté. C'est-à-dire qu'on adhère ou on n'adhère pas,
on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec Gustav Mahler, avec sa vision de la vie, puisque c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est pas une musique représentative, la musique de Mahler, c'est une musique méditative sur ce que c'est que la vie, le sens de la vie, d'où on vient, où on va, pourquoi. Enfin, c'est très métaphysique, hein, comme vision du monde, très panthéiste. Il avait aussi coutume de dire, quand on est ce qu'il est juste qu'on soit, on demeure un éternel apprenti.